Bonsoir à tous. 18h02. Avec un tout petit peu de retard, nous sommes là et on est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi soir. Pour 30 minutes de débriefing intense de l'actualité high tech, c'est le 01 Live Hebdo. Soyez les bienvenus, Jérôme. Bonsoir. Salut, François. Bonsoir à tous. Et cette semaine, eh bien, nous allons revenir sur cette grosse actualité qui concerne l'espionnage. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire des grandes oreilles de la NSA. Eh bien, sachez qu'il existe des smartphones pour éviter d'être espionné. Éric Le Bourlou va tout nous dire. On Et le oui, retrouvera dans des un instant. Smartphone hyper sécurisé. Bon, ouais. Vous allez voir, ils ont quand même quelques inconvénients, hein, mais on va en parler. On retrouvera aussi notre Zoom Actu, on va revenir sur la loi concernant le renseignement qui, ça y est a été validée en quelque sorte. C'est parti, même si elle doit passer euh, évidemment au Conseil constitutionnel. Mais on en parlera tout à l'heure avec Delphine Sabatier, ce sera notre Zoom Actu. Et puis le labo, comme d'habitude, nos spécialistes du labo viendront nous rejoindre tout à l'heure pour nous présenter les derniers joujoux qu'ils ont reçus, en l'occurrence des montres connectées, un smartphone, un smartphone Samsung, <laughs> à chaque fois je tombe dedans, <laughs> le smartphone Samsung A7. Exactement. Et puis l'enceinte sans fil du jour, ce sera François Bedin. Et voilà, vous savez tout concernant ce 01 Live Webdo, on est ravis de vous retrouver, vous savez que nous sommes en direct sur 01Net TV, sur YouTube et sur Dailymotion, vous pouvez à tout moment interagir et poser vos questions avec le hashtag 01 Live sur Twitter, soyez les bienvenus. Avant de rentrer dans le vif du sujet de parler de ces smartphones sécurisés et de cette affaire de la NSA, avant d'évoquer aussi notre sondage 01Net Orange, un petit cadeau, se profile à l'horizon, pour vous qui êtes fidèles au 01 Live Hebdo. Cette semaine, nous allons vous offrir des entrées pour la Japan Expo. Et oui, ce grand rendez-vous consacré au manga et puis à tout l'univers euh, japonisant et geek d'une manière générale. Ce sera du 2 au 5 juillet. Et bien restez avec nous et branchez-vous dès à présent. Allez, on vous donne un petit indice, branchez-vous sur Twitter pour pouvoir participer et gagner eh bien tout à l'heure des entrées pour la Japan Expo. Voilà, il faudra être très rapide. On va tout vous expliquer dans quelques minutes. Restez bien avec nous. Notre question 01net Orange maintenant. Euh, vous le savez, chaque semaine, on vous interroge sur le site de 01net.com et on va justement parler de la surveillance téléphonique. Alors craignez-vous vous au quotidien d'être surveillé? craignez-vous que votre téléphone soit placé sur écoute soit dès maintenant soit euh, un jour ou l'autre oui non parfois des petits crash sur oui mini, bah non, sais, comme mais sur comme sur les vieux euh... films d'espionnage des <laughs> années 60 ça n'a rien à voir c'est des problèmes problème de vrai. réseau <laughs> Non non c'est pas détectable hein, malheureusement euh, Voilà donc votez et puis on fera le point tout à l'heure pour avoir un petit peu votre sentiment sur la question. On vous attend donc 01net.com. Éric Le Bourlou est avec nous. Éric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, le rédacteur en chef du Pôle Actu de Zeronet.com qui, bien évidemment, euh, a enquêté sur cette histoire, cette affaire de la NSA. Hein, Jérôme, incroyable. Hein, donc, encore une fois, Wikileaks qui balance toutes ces informations. Maintenant, c'est régulier. ouais, ouais. Alors, il faut dire quand même que c'est n'est pas des vraies révélations non, parce que toutes non. ces infos étaient connues depuis au moins deux ans. Mais elles sont remontées à la surface comme Exactement, ça. Exactement, ouais. voilà. Donc, euh, la NSA... Et aurait pourtant, elles sont espionnées. quand même assez impressionnantes, hein, on est d'accord. Bah, oui, oui, c'est sûr hein, puisque la NSA aurait espionné les trois derniers présidents français en exercice. Plus, évidemment... Euh, donc, des non, pardon, à il avait voilà. pas de portable cas à cas, peu voilà. près ça, ça on a même découvert enfin pour ceux qui ne le savaient pas euh, ils étaient nombreux malgré tout que ici à Paris au cœur de la capitale eh bien dans, euh, tout en haut de l'ambassade la, de, des États-Unis euh, le dernier étage n'est pas un vrai étage c'est une bâche en trompe l'œil derrière il y a des antennes qui oh, sont là viens, pour nous espionner bon même moi. si les Américains nous assurent qu'ils ont débranché tout ça il y a à peu près deux ans hein. <laughs> oui, voilà ça, ouais. Bon, on peut les vérifier, les rallonges. <laughs> parce que permettez-moi d'en douter quand même. Oui. Enfin, qu'ils ont cessé d'espionner les chefs oui, d'État, voilà. en tout cas. Après, bon, c'est le jeu des espions. Tout le monde espionne tout le monde. Il Ils faut être sont... Un peu sous le soleil. Voilà, exactement. effectivement. Et, Et, effectivement. C est, c est, en tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les internautes de Zeronet.com. Hein, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est normal. Hein. Depuis les révélations d'Edward Snowden, c'est un peu dans la, dans la, dans la suite hein, de ce mmh. qu'on a appris depuis, depuis 2013. Bah, on, on avait déjà appris d'ailleurs en 2013 que Angela Merkel avait elle aussi été espionnée par les, les États-Unis à l'époque ça avait fait bon elle était un petit peu fâchée puis finalement il ne s'est rien passé c'est ce qui va se passer sans doute là encore une fois oui. il y a un petit peu de voilà de d'ailleurs d'étonnement de façade du mais est assez molle hein, oui oui sur ce sujet ah, hein. parce qu'ils sont parfaitement au courant que ça arrive et puis là malheureusement pour pour les États-Unis il y a des documents qui ont qui sont qui ont apparu sur WikiLeaks mais voilà après évidemment que et tout le monde espionne tout le monde y compris entre amis et on a bien vu avec depuis deux ans avec l'affaire de la NSA et les révélations de Snowden que c'était quelque chose qui était, qui allait bien au-delà dans le cadre de la NSA du terrorisme, c'est aussi mmh. euh, bien entendu de l'espionnage industriel, de l'espionnage pour avoir des informations avant, des, avant des, des sommets internationaux, etc., etc. Donc évidemment que cela n'est pas évidemment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement tous ces documents qui ont émergé sur WikiLeaks et apparemment il y a, le plus d'après Julian Assange hein, qui sait bien entretenir ces petites révélations, il y en aurait de nouveau dès demain. Bon, très Donc. bien. Alors, alors ça, c'est le problème de base. Problème voilà. de base, tous les, voilà. les médias en ont, en ont fait leur chou gras, mais nous, on va beaucoup plus loin, vous oui. le savez, sur 01net.com, parce que ça, bon, d'accord. Euh, vous avez enquêté sur des téléphones qui nous permettraient justement de, de moins se faire surveiller, en quelque sorte, avec des téléphones anti-NSA. Oui, d'ailleurs, c'est Gilbert Kallenborn, hein, qui est notre oui, expert en sécurité, euh, voilà. qui, qui a enquêté là-dessus. Là euh, et effectivement, il y en a, alors, euh, évidemment... Euh, comme, bon, on n'a aucun, aucune information sur comment la NSA s est, s est, a utilisé, a, a fait pour espionner euh, bah, des gens aussi importants que Nicolas Sarkozy, François Hollande mmh. ou Jacques Chirac. Mais on euh, a quand même euh, des pistes. On y a quand ouais. même des pistes. On sait comment ils, comment ils peuvent s'y prendre, effectivement par le biais d'une station d'écoute placée au cœur de Paris, euh, par d'énormes systèmes de déviation de fibres optiques qui leur permettent de, bah, de récupérer des informations qui circulent par, sur Internet, y compris lorsqu'elles sont chiffrées, puisque la NSA ça a le pouvoir de déchiffrer des informations assez facilement grâce à des supercalculateurs. Donc voilà, il n'y a, a pas d'infos là-dessus, mais bon, en tout cas, tout ce qui... Ce qui, ce qui devrait, euh, ce, que de, ce que devraient faire les, 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 les puissances, les puissants de ce monde pour se protéger, c'est évidemment utiliser des téléphones sécurisés. D'autant plus ouais. qu'ils ont un. Ils en ont un, Alors effectivement. On a l'impression qu'il est toujours au fond du tiroir, non <laughs> C'est Effectivement. C'est un peu le problème. Effectivement. Alors celui, celui de l'État, hein, celui que voilà. François Hollande devrait utiliser. Ah le voilà. C'est celui-là. Voilà pour faire, passer ses coups de fil les plus, les plus secrets. Déjà euh, il est classe. Hein. Il Thales. Est... Voilà. C'est cool. Bah, c est c est, pas, bah, il s'appelle hein. Théorème et effectivement alors, Théorème de Thalès. Théorème de Thalès. Et eh oui. Exactement. Pardon. Euh, et effectivement, <laughs> il, est, euh, il est particulièrement sécurisé puisque il utilise un, un chiffrement que seuls euh, certains ingénieurs français, puisque ça a été fait en France, connaissent. Ah ça, c'est du 100% français jusqu'à la moindre. Voilà. puce à l'intérieur. C'est hein. du 100% français. C'est utilisé donc évidemment par le, le, le pouvoir et l'armée la, et aussi, hein, ouais. qui l'utilise mmh. qu beaucoup. Mais effectivement, mmh. voilà, on n'est pas devant un iPhone. Hein, ouais. C'est pas très sexy pour jouer avec Rupert là-dessus. Il faut se lever tôt ouais, hein, quand, ouais, quand même. Ouais, ouais, on peut Spotify. jouer à Snake peut-être. <laughs> et encore. Euh, oui, c'est vrai. C'est même pas oui. sûr. Mais en plus, il paraît qu'il a même pas de répertoire téléphonique. C'est-à-dire qu'il faut un aide de camp qui se balade avec le nuaire ouais. Et puis, il faut alors, taper le numéro ouais, euh, ça, à la main ouais. à chaque voilà. fois. Voilà. Alors, et puis, l'autre problème aussi, c'est qu'évidemment, pour que ça fonctionne, il faut aussi que la personne en face en ait un, parce que comme oui. ce sont des communications chiffrées. Si vous avez en face quelqu'un qui n'en a pas, ça ne marche pas. Je ne veux pas commander ma pizza. Élisée avec ce téléphone. Même, ça marchera pas. Si, on peut en fait passer aussi des coups de fil non, euh, sécurisé, non sécurisés avec. Mais effectivement, pour que vraiment le, oui. la, le coup de fil soit sécurisé, il faut qu'en face, la personne ait le même téléphone. Euh, donc voilà, ça c'est le téléphone que devrait utiliser François Hollande. Mais on a appris là, ces dernières heures qu'il n'était pas forcément très accro à ce, à ce téléphone-là, enfin, notamment pour, ces, pour, ces, pour des communications pas forcément secret défense. Oui, ouais, donc alors. il utilise, comme tout le monde, à peu près bah, un iPhone et puis un, un smartphone. Ah, il a iPhone plutôt, François Hollande Alors je ne sais pas il... si c'est iPhone. Ou, ou, ou autre bon chose, mais en tout cas un smartphone ouais. beaucoup plus classique qu'on connaît bien. D'accord. Oui, a... on, on peut les comprendre hein, après tout. Euh, ah oui, euh, les hommes euh... politiques, c'est vrai qu'en plus ils sont assez maniaques du texto et, de... et du coup de fil. Euh... Parce qu'on voyait un texto avec le Thalès à mon avis, c'est ouais. pas gagné. Hein. Il doit <laughs> bah, avoir il faut... un bon vieux T9 voilà, dessus. Il faut se rappeler du T9. Voilà, ça, ça fonctionne, ça. etc. Euh, mais effectivement, il bah, y a eu le même problème euh, aux États-Unis. On se rappelle quand Obama, euh, Obama est arrivé au pouvoir. Obama est un accro du BlackBerry euh, et il a toujours un BlackBerry. Alors mmh. euh, la, euh, les, 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 les services, les services fédéraux américains ont tenté de lui vendre un téléphone sécurisé un peu à la théorème mmh. euh, qui est en fait on va dire un, un, un espèce de windows phone de windows mobile hein, un peu à l'ancienne ultra sécurisé ouais. mais ça, ça n'en lui a pas vraiment plu donc il préfère utiliser un, un, un blackberry euh, qui est quand même sécurisé par une couche logicielle spécifique euh, donc, il n'utilise pas euh, voilà, un Blackberry qu'on trouve oui. sur le marché, mais euh, ça reste un Blackberry, donc c'est quand même un peu plus utilisable qu'un que téléphone, un pur téléphone euh, traditionnel. traditionnel quoi, quoi. Voilà. Enfin, euh... Thomas qui nous dit pas très joli le Thales Théorème, hein, surtout que ce n'est pas un smartphone et qu'il n'a même pas de 4G. Alors, ça, c'est sûr que là, on est en 2G. Oui, c'est ce vrai, il n'a pas de 4G. Moi, j'aimerais bien en avoir un, c'est quand même super frime. Tu sors ton ah oui. smartphone ZFS. Ouais, ultra est sécurisé. <laughs> alors, regarde a dit, ça, je peux appeler personne, mais. On peut faire une blague dans ce sujet. Sujet sérieux, ou pas Oui, allez parce autre que c'est quand autre. même le, le, le téléphone préféré des chiens. Hein. Là, on compte. <laughs> oui, c'est lui quand même là, lui qui Ok ah d'accord Donc ah, voilà. ah, ouais, là ça y est on a en... côté. Bon, 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 bon. bon. Merci François Non mais je bon, sentais que c'était un sujet ça oh, vous savez quoi c'est un sujet on grave On même Christopher quand même et qui pourtant est un expert Là derrière la caméra oui, Qui plutôt, plutôt me supporte la oui, plupart du non, temps Il quitte les lieux Alors pour revenir quand même au téléphone d'Obama Qui est quand même aussi assez intéressant Parce qu'Obama il n'utilise pas par contre les stations de base Qu'on trouve, il ne va pas se connecter Au même relais que vous Donc en général Il a son propre réseau Ce qui se passe c'est un, pas, c est, c est un petit peu ça puisqu'il par, paraît qu'effectivement il se balade avec une, sa propre oui, station sa de propre. base ouais, et énorme. que c'est cette station qui envoie directement au satellite euh, wow. ses communications donc évidemment Attends, on ne peut pas chouette, imaginer président of the united ouais, voilà. non, mais sûr. donc bon. euh, voilà ça c'est la petite astuce aussi Eric, qui si, si je ne suis téléphones. pas chef d'état euh, qu'est-ce que je peux utiliser si malgré tout oui. je veux sécuriser mes communications il y a un téléphone que tout le monde peut s'acheter qui s'appelle le Blackphone qui a été commercialisé par une entreprise qui s'appelle Silent Circle et on mmh. l'avait essayé ces années exactement zéro net. on l'avait découvert même au Mobile World Congress il y a deux ans ouais, de ouais, cela tout à fait et qui est donc euh, basé sur un Android alors c'est une version d'Android un petit peu modifiée on peut pas tout installer on peut pas tout installer toutes les applis Android de, du marché dessus euh, mais effectivement il permet de chiffrer ses communications donc quand on appelle quelqu'un qui a lui-même effectivement pareil hein, toujours euh, un téléphone sécurisé ben on peut discuter de façon sans être espionné on va dire évidemment ce système là n'est pas compatible avec le Thales donc il faut deux téléphones voilà. similaires, deux exact Blackphones. Exactement. Et on peut aussi, alors il y a d'autres procédures de sécurité, tout ce qui est sur le téléphone est chiffré, euh, les, les messages qu'on envoie sont chiffrés, etc. etc. Donc ça c'est un téléphone, on va dire, plus grand public, un peu pour les mmh. parano, qui voudraient euh, mmh. éviter d'être surveillés. Bon, malheureusement, le petit problème c'est qu'on avait nous, euh, euh, Gilbert, lui avait confié ce téléphone à un hacker qui a réussi quand même à, euh, à le pirater, à le hacker, donc... Rien n'est vraiment euh, tout à fait, euh, pas euh, tout bah, à fait sécurisé. Chrome, quoi. Et puis en plus, mais... ce n'est pas pour dire, mais c'est de l'Android. Android, Android c'est un petit peu américain. Donc, alors euh... ça, c'est toujours pareil. Alors il y, y a beaucoup d'effectivement de téléphones sécurisés qui tournent sous Android. Et d'ailleurs, on a appris il y a très peu de temps que, en, que BlackBerry, lui aussi, allait se lancer dans Android. Eh oui, et que, euh, voilà, leur problème, c'était de faire un Android sécurisé. Donc c'est censé être un Android mmh. puisque Android est un projet open source. Ouais. Euh, on peut prendre le code source Android, voir ce qui, ce qui pourrait ne pas aller. Et faire une version d'Android spécifique pour les téléphones sécurisés. Bon, alors il y a aussi Boeing qui a sorti un téléphone. Oui, le Boeing Black. Le Boeing Black, oui, le tout à fait. Et alors ce téléphone-là a une particularité. Euh, il a en fait, lui aussi, est sous Android d'ailleurs, mais il a une particularité qui est assez exceptionnelle, c'est qu'il est capable de s'autodétruire. C'est-à-dire ah. s'il tombe dans de mauvaises mains, euh, il est mais quoi Physiquement Il explose Alors non, il ne va pas, il va pas exploser, mais alors et ça, en fait, on n'a pas tellement de détails sur la façon dont il s'autodétruit, mais en tout cas, c'est un peu top secret. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que déjà, les données seront effacées. Bon, ça, on peut déjà le faire oui. avec un iPhone, ou hein, oui. avec Android, ou, ou crois, avec hein. Android aussi. On peut, le, on peut effacer un téléphone à distance, mais effectivement, il pourrait être rendu inopérant, c'est-à-dire on pourrait plus le démarrer. Je ne sais pas exactement par quelle biais, ce n'est pas précisé, mais en fait, euh, tout simplement, peut-être qu'il y aurait un condensateur qui pèterait, et effectivement, du coup, le téléphone deviendrait complètement inefficace. Il se force. En voilà, est, il, il, en fait, il s'auto-détruit tout simplement pour éviter que voilà, quelqu'un se... On a un petit décompte de 5, 4, 3, 2, 1. On ah, se croirait dans Mission Impossible. Et très fait. rapidement, il y en a un autre qui est évoqué dans le papier de Gilbert sur TheRouanet.com. C'est le téléphone de Bulle, euh, pareil, qui est sécurisé. Qui oui, le tout Oux à fait, M2, qui, est, est qui, est lui aussi, euh, qui est lui aussi français et qui est, euh, qui est sécurisé et qui, euh, bah, qui est par contre euh, extrêmement cher. puisqu'il coûte, euh, je crois, plus de 2500 euros. Oui, mais c'est beaucoup moins cher que le Thales. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. coûte dans les 4000 euros. Enfin, on n'a pas le prix voilà. exact On n'a pas, pas vraiment le prix 4 000 exact. 4000 euros, ouais. le téléphone a clapé Oui. Mais alors celui-là. Hein. Ah ouais. <laughs> Mais bon, bon celui-là est un petit peu plus euh, plus sympathique en plus d'un point de vue design euh, ouais. que celui de, de thales Bon, très bien. Merci Super. beaucoup Eric. Merci. Merci. Vous Merci, pouvez retrouver évidemment cette enquête avec ces smartphones les plus sécurisés de la planète en images sur zeronet.com. netcom Et on remercie Gilbert Kalenborn, nous nous a fait ce petit dossier. Merci beaucoup Eric. Super. Merci. On a le temps de faire une petite news sur cette, euh, cette info incroyable là, euh, qui est tombée hier ou avant-hier. Ce projet, vous, vous rappelez du film Retour vers le futur 2, et il y a cette scène où il fait de l'overboard, c'est-à-dire du skateboard volant. Eh bien voilà, le skateboard volant sera peut-être une réalité, si l'on en croit Toyota, en l'occurrence euh, Lexus. Hein, Lexus, ils font Elle plutôt des voitures. Hein, de gamme voilà. de Toyota, on va dire. Puisqu'ils affirment qu'ils ont mis au point un overboard. Ça, c'est la vidéo qui circule actuellement. Ah, qui pour l'instant, il nous vidéo. a marqué, parce que c'est leur truc, il a des roulettes. <laughs> non, c'est le concept, ça, c'est le storytelling. Si tu veux, voilà, voilà l'overboard. Il y a de la fumée, et tout. Il y a de sort, la fumée, non. oui, parce que c'est de l'oxygène. C'est plus de, quoi C'est une pile à combustible, donc a Si je comprends bien, euh, ils veulent aussi montrer qu'ils savent faire de la de la, ouais. de la pile à combustible. Et là, vous vous attendez à ce que le monsieur monte dessus et décolle, mais vous allez être déçu parce que voilà, ça n'ira pas plus loin. <laughs> ça s'arrête là comme ça. <laughs> ça s'arrête comme ça exactement. Oh là, là, là là Et ouais, donc on se pose la question est-ce que c'est fake est ce que c'est vrai Etc. Apparemment, euh, apparemment. C cette, cette, cette overburn en fait fonctionnerait comme celui qui avait déjà été présenté il y a quelques mois, euh, avec une surface spécifique au sol. Oui. Donc en fait, pour ça, avoir a, le magnétisme, pour avoir un, en fait oui. une surface parce magnétique. C'est des aimants qui se repoussent. Voilà. Quoi. Alors c'est un petit peu le problème, c'est que vous pouvez pas l'utiliser où vous voulez. Il vous faut une surface Et oui. spécifique. Mais ça existe en déjà. Fait, mais ça existe déjà. Puisqu'il y a une start-up américaine qui l'a mis au point ce système-là. Et rappelez-vous, Pépé Garcia l'avait testé sur 01net TV. Alors c'était un peu moins sexy quand il montait dessus. Ah oui, parce, bon bon, parce que Pepe il n'est pas expert en skateboard, mais malgré tout. Voilà, il Magnifique. avait essayé, et ça, ça marche, ça, c'est pas du fake, c'est pas pas du, c'est pas, pas fumeux, hein, c'est le cas de le dire, euh, mais on voit que c'est quand même pas très esthétique. En plus, ça fait un bruit énorme. Voilà. Ça, fait, ça fait, beaucoup de bruit. On voit Pépé ah, très à l'aise quand même, <laughs> même sur ce truc-là. Enfin, cela dit, moi, je ferais pas le malin là-dessus aussi. Hein. Non, j'imagine ce que ça donnerait. À bon. l'aise là. Voilà. Bon, écoute, on va suivre. Mais ça hein, Peut-être que là, dans quelques années, on aura ça pour se balader, pour aller au boulot. La classe. Voilà, donc ça, ça nous a mis en retard, mais c'était bien, on ne pouvait pas oui, passer à côté. C'était très bien. Euh, alors restez avec nous, car dans quelques minutes, juste après notre rendez-vous avec Delphine Sabatier, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner des invitations pour la Japan Expo. Vous restez avec nous, ça sera sur Twitter, on va tout vous expliquer dans une minute. C'est notre rendez-vous, donc, Zoom Actu avec Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Bonsoir François, bonsoir, bonsoir Delphine. Delphine bonsoir vous, savez, vous savez ce qui nous arrive hein Qu'est-ce eh. qui se passe Et ben Vous allez nous parler de la loi sur le renseignement. Oui. Donc normalement, là, ben, on, a, on a le texte que Mais <laughs> vous moi donné euh, avec les questions. On n'a mon lapin. Hein. C'est bien, c'est J'appelle mon moi, lapin je quand on entre, ne ouais, vous, ouais. vous inquiétez Jérôme. pas. Ah, ça y est, ah, ça, ça y est, j'ai le texte de Delphine. Alors, hier, les députés ont voté donc pour l'adoption définitive de cette loi sur le renseignement. Ça fait beaucoup de bruit. Delphine, que faut-il en retenir rapidement, les grandes lignes alors Vous allez comprendre immédiatement les impacts concrets de cette loi. Légalisation des IMSI catchers, alors je ne sais pas si vous connaissez, sont en fait de fausses oui. stations de base mobile qui interceptent toutes les communications autour d'elles. Des boîtes noires chez les fournisseurs d'accès. Alors là, c'est plutôt la mise en place d'algorithmes qui vont permettre d'espionner massivement les internautes et de repérer ceux qui utilisent en particulier certains mots-clés ou vont sur certains sites. Et du coup, on va euh, repérer des, des comportements dits suspects. Et si on estime qu'ils sont dangereux, on lèvera l'anonymat. Bon, ça va être intéressant de savoir quels sont justement ces mots-clés choisis par le gouvernement. Ah, mais c'est top secret. Et bien sûr. Légalisation oui. des écoutes. Alors, toutes les écoutes classiques. Donc, la police pourra euh, s'introduire dans un lieu privé, poser des caméras, une balise GPS, des micros, tout ça, mm. sans passer par un juge. Donc ça ira plus vite. Ah bah évidemment. Mm. Et puis ce euh, sera légal. tout à fait légal. Ouais, ouais. Voilà, il n'y a plus de. Question enfin là c'était légal. Là mais il fallait qu'il passe par un juge en fait. Et oui, puis c'est surtout qu'il le faisait de manière illégale. Et voilà. De la mais... même façon, intrusion informatique autorisée. Et puis euh, les services de renseignement vont avoir la chance d'être directement connectés au réseau des opérateurs. Ils pourront donc capter en temps réel toutes les infos de connexion. Mais évidemment, on entre donc dans une société de cybersurveillance et ça, c'est ça qui fait peur. peur. C'est beaucoup plus euh, effrayant que rassurant de prime abord. Oui, alors en même temps, moi je me rappelle qu'en 2000 déjà, euh, la Commission nationale informatique et liberté m'expliquait que c'était trop tard pour avoir peur de Big Brother. C'est bon, <laughs> on y est, on est dedans. Alors si on veut regarder le côté positif finalement de cette loi, c'est que ça légalise euh, des pratiques, comme on disait, qui sont euh, déjà assez courantes euh, dans la police et puis que ça, leur po ça pose un cadre... À tout ça. Euh, notamment, il va y avoir une commission nationale de contrôle qui aura davantage euh, de d'outils pour mmh. travailler, qui aura un accès permanent aux dispositifs de surveillance. Et elle rendra un avis, certes, mais euh, si le Premier ministre veut aller contre l'avis de la commission de contrôle, eh bien, il devra se justifier. Alors, ça reste un cadre, comme on le voit, quand même assez souple mmh. et assez large. Euh, pas sûr que ça rassure tout le monde. Bon, alors. Tout n'est pas encore terminé concernant cette loi puisque le texte doit encore passer devant le Conseil constitutionnel. C'est la bonne nouvelle du jour puisque François Hollande a confirmé effectivement qu'il avait saisi le Conseil constitutionnel. Donc il rendra un avis dans un mois. L'objectif, c'est évidemment de rassurer sur la constitutionnalité de cette loi et de dire que qu'on a trouvé un équilibre entre protection nationale et protection des droits fondamentaux des Français. Alors je ne sais pas, je me dis que peut-être les récentes révélations justement sur la surveillance de la NSA, Vont permettre de poser la question différemment sur cette loi. Parce que c'est quand même un peu paradoxal d'avoir ces deux informations qui arrivent en même temps. C'est-à-dire, d'un côté, mmh. on s'indigne oui, sur tombe. un espionnage massif oui. et de l'autre côté, on organise un espionnage. Là, le timing était parfait, hein, cela dit. Hein. Bah, oui, oui, que ça a été fait exprès. Presque. Alors, il y en a qui posent la question. Bien ouais, ouais, sûr. Est-ce que ces infos ne sont pas sorties pile au bon moment hein et voilà, Sur Delphine. Mediapart et Libération ouais qui sont pas franchement pour la loi non plus. <laughs> voilà. Exactement. Et quand Ni on pensait oui que ces informations taille. étaient publiques depuis un certain temps. Oui, hein, ouais, enfin. Bon, mais en même temps, ces informations sont vraies, existent. Donc. Euh. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Merci à vous. Delphine Sabatier, directrice de rédaction de en net Et avant d'aller du côté du labo, il est temps maintenant de vous offrir des places pour la Japan Expo. Dandadam, Jérôme. Dandam, c Japan quoi Expo à Paris. C'est quoi la Japan Expo d'abord hein Voulez-vous savoir ce que c'est que la Japan Expo Rappelez-vous, ça, c'était la Japan Expo l'an dernier. C'est un truc de fou qui a lieu tous les ans dans le nord de Paris, c'est à Villepinte. Euh, donc c'est tout l'univers japonisant et il y a notamment euh, la particularité de cette manifestation qui sont les cosplays. Et c'est absolument magnifique. Moi je, je me suis régalé l'an dernier à voir tous ces costumes. Oui. C'était déguisé C'est Moi, j'étais ah bah déguisé voilà, est, en fallen. reporter de 01net TV. Ah, tu vois voilà. Ah oui, en plus, c'était bien en deux. Incognito. Incognito. Voilà, c'est ça. Entre Spider-Man et. et Spider-Man avait d'ailleurs d'accord avec toi. À chaque fois, il a oui, ouais, ouais, comme ouais. ça. Il était super content. Mais tu sais, moi, je les mets tous d'accord et super héros En plus d'interview, Spider-Man, c'est <laughs> la classe. Bon, si tu bon, veux aller à la Japan Expo, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Par Twitter. Donc, sur Twitter, les premiers, les dix premiers, hein, Jérôme Oui, vont nous envoyer voilà. les deux hashtags. 01 live et hashtag Japan Expo tout accroché, les 10 premiers. Pas tout accroché. Deux hashtags séparés. Oui. Ben, euh, mais hashtag 01 live et le hashtag Japan Expo, voilà. mais Japan Expo tout accroché. Eh ah oui. euh, bien là, automatiquement. Si vous êtes les 10 premiers, on vous enverra une place pour la Japan Expo. Voilà, donc c'est une place que vous pourrez utiliser entre le 2 et le 5 juillet, pas le samedi 4 juillet, qui sera évidemment, de toute façon, n'y allez pas, il y aura trop de monde le 4 juillet, euh, mais les autres jours de, 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 durant, durant le, cette séquence. Voilà, donc hashtag 01Live d'un côté, et puis hashtag Japan Expo automatiquement. On prendra les 10 premiers. Bonne chance Voilà On enchaîne avec le labo Mais absolument. Allez, c'est parti Dans un instant, on découvrira une enceinte UOBUN qui ressemble à une soucoupe volante, Jérôme. C'est ah, super. J'ai hâte. -dire on, on pourrait imaginer pouvoir se la lancer comme ça <laughs> tout en écoutant de la musique. Il bon, faut faire gaffe quand même parce qu'elle est un peu lourde. Mais euh, avant tout cela, notre euh, rendez-vous, notre question Zéro Net Orange avec cette question. Craignez-vous que votre téléphone soit surveillé Et voici euh, vos, les résultats. C'est la tendance. Eh bien oui, à 53 ça vous fait peur. Non, 37 et 5 et demi sans opinion. Bah ben voilà, donc euh, visiblement, vous faites partie de ceux que ces questions-là inquiètent. Voilà, très bien. Vous pouvez continuer à voter pendant encore quelques minutes sur ce plateau. Nous en rejoint Stéphanie modinier et Christopher Siminelli. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Salut. Christopher Siminelli, qui après quelques semaines de congé oui, revient. Mis... <laughs> voilà. Bienvenue. Euh, et euh, bienvenue à Sandro. Ouais bon voilà ah bah oui voilà, quand on même sait tout. on sait tout oui puisque voilà pour la deuxième fois Christopher est papa maintenant ouais. et c'est Sandro qui est arrivé j'ai pas de cerne hein, ça va non, non ça, ça va ça s'est bien passé tu l'as bien vécu puis ouais. bon. non 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 il est en pleine forme on salue la maman aussi alors il euh... est connecté je peux surveiller ce qu'il fait avec mon téléphone je vais intégrer une puce déjà déjà le non, pauvre c'est vrai il faut commencer très jeune mais Stéphanie plus... et Christopher, vous allez nous parler de montres connectées, alors chacun savait un peu le duel de la montre connectée, d'un côté Stéphanie a une montre que vous connaissez déjà puisqu'on l'avait euh, évoqué, c'est l'Alcatel One Touch Watch, à chaque fois c'est toujours un <laughs> cauchemar à dire cette, cette histoire-là, et puis euh, Christopher, toi tu as une autre, une autre montre qui s'appelle la Nevo. Ah, elle est normale ma montre Elle est, elle est belle dis donc Tu veux en nous dire... faire croire qu'elle est normale bon, On commence par laquelle on va commencer par Stéphanie. Puis rapidement, parce que la watch, on en avait déjà un petit peu parlé en oui, plus. Oui, mais là, un... tu l'as testée, donc tu peux nous testé. dire véritablement si elle vaut le coup. Bah, écoute, euh, moi, je l'aime bien. Je hein. l'aime bien, j'aime bien son design, mais c'est vrai que c'est facile quand c'est rond. C'est toujours voilà. plus joli au poignet que euh, la montre carrée qu'on trouve euh, maintenant de façon assez habituelle sur les montres connectées. Euh, ouais. Mais là, euh, Moi, le côté rond. Bon. Alors, on la voit poignet de euh... Stéphanie. Est-ce qu'on peut faire un petit plan, peut-être, avec Bérangère euh, Voilà. Et donc, c'est sûr, euh, on va se changer de caméra, on va se mettre là, vous allez voir. Mais on vous l'a ouais. déjà montré, montre Android, hein, voilà. traditionnel. Euh, non, non, tout, euh, du tout. Ah, non, pas Android, pardon, c'est vrai. C'est l'avantage. C'est Voilà, un OS particulier. C'est l'avantage. C'est Voilà, L4L, c est, c est, voilà. <laughs> On n'a pas, en fait, toutes les fonctionnalités d'Android. Et c'est ce que je dis au niveau. Je vais la retirer, ce sera plus simple. Ouais. C'est ce, qu euh, ce que je disais au niveau euh, du, du test. Euh, c'est qu'en fait, euh, l'avantage, c'est qu'elle fonctionne avec un smartphone Android et avec euh, un smartphone euh, iOS. À, iOS. Donc euh, voilà, de, donc pas mal quand même d'appareils sur le marché. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas les fonctions euh, Android Wear. Hein ni même les fonctions Apple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de parler à sa montre, et ça c'est moche. Ah non, voilà. ça, voilà. ça c'est vraiment moche. C'est voilà. ça, ça c'est une montre qui ne comprend pas détant. ce qu'on lui dit. Mais non, quand même, c'est pas un simple... Mais -ce fait, quand Alors, bah, c'est un tracker d'activité, ça pourrait être un bracelet connecté, il y a même un capteur de fréquence cardiaque. Donc okay. Oui. Voilà, ça fait. Euh, mais il y a les notifications f... aussi. Mais il même... y a un petit plus, c'est qu'on a quand même euh, les notifications de ces appels, de ces SMS, mais aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, donc Facebook, Twitter, tout ce qu'on veut. Il y en a quand oui. même toute une liste, et on a quand même le, une, une partie du message. Donc, euh, bah, dans le métro, c'est quand même sympa. On n'a pas à sortir son. Son smartphone de son sac à main, se oui, voilà, faire elle voler. Fait, enfin, elle fait le job. On elle va fait dire. le job. Hein elle hein. pas très elle le fait joli. Oui, voilà, 129 euros. Voilà. Alors, c'est vrai que euh, les montres connectées euh, qu'on a connues mmh. un petit peu auparavant, les Android Wear, baissent de prix. Donc la limite est plus mais est ça si importante, fonctionne sur les deux. Hein. Mais ça fonctionne sur les deux. Et oui parce que Christopher, notre scoop de, du Mobile World Congress, on l'a pas encore confirmé là. Je hein. sais pas de quoi tu parles. <laughs> Android <Quand rire> Wear pour arriver sur iOS. Vrai, vrai. Non mais Christopher, il nous annonce des news mais six ans à l'avance. Voilà c'est ça. C'est ouais. ça ouais, qui c est, c est cool. Donc, est... Retour vers le futur. Voilà. D'ailleurs il nous annonçait les, en exclusivité les spécifications de l'iPhone 12. Hein, oui ils <laughs> sortent en ouais, six ouais. ans. Ça va être un, coup, un scoop. Ça sera sous iOS je crois. Bon Christopher, autre montre connectée qui ressemble plus celle-ci un modèle qu'on connaît à l'activité bon, de wi Rien Sims. à voir avec la montre connectée qu'a qu Stéphanie en main. D'ailleurs, ça ressemble à une montre tout à fait classique et... Pour moi, c'est l'un de ses atouts euh, principaux, parce que j'en ai testé pas mal des montres connectées, et ce qui m'agace un peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir un truc hyper bling bling au poignet, euh, notamment quand, sur des écrans sur fond blanc, euh, quand j'utilise dans le métro, etc., dans les transports en commun. Tout le monde est accaparé, tout le monde regarde ce que j'ai au poignet, et ce n'est pas hyper euh, intime, mais ça c'est un problème de toutes les montres connectées. Alors celle-ci, elle n'a pas du tout d'écran euh, euh, numérique, elle a un cadran normal. Alors en quoi elle est connectée Elle a quand même du Bluetooth. Euh, elle est compatible avec Android euh, et iPhone. Et on peut recevoir un certain nombre de notifications, jusqu'à 7 en tout. Donc, euh, à l'arrivée d'un email, à l'arrivée d'un SMS, euh, à l'arrivée d'un appel, euh, d'une conversation Facebook. Et comment arrivent ces notifications Vous voyez, il y a des LED. Ça ne sur... doit pas être facile de lire l'email avec les aiguilles. Hein, quand même. <laughs> Alors, évidemment, on ne lit rien sur cette montre, <laughs> à part l'heure, bien sûr, il y a des aiguilles normales. Mais euh, à l'arrivée d'une notification, euh, chacune des LED s'active le, sur le pourtour de l'écran. Donc, on peut dire que. Euh, L'arrivée d'un nouveau mail euh, euh, comment dire, euh, mmh. passe par une, une LED rouge, euh, une Et notification ça, un jeu de par une pour LED distinguer. bleue, etc. Donc on est au courant qu'un message arrive sur son smartphone, mais on ne peut pas le consulter sur la montre. On sort le smartphone de sa poche. Alors c'est sûr qu'on va moins loin qu'avec une Apple Watch ou une montre Android Wear. Mais euh, l'atout, c'est quand même qu'elle a une autonomie de 4 à 5 mois. Donc absolument rien à voir avec, euh, avec les montres traditionnelles équipées oui. d'écran numérique. Et encore, l'autonomie la, de, la, de cette Celle-ci, de, de si on l'utilise L4 beaucoup, L4L ça L4L monte à 3 jours. Ouais, et 5 jours. jours si on ne l'utilise pas, par exemple, pour la surveillance du sommeil. Donc c'est déjà, déjà beaucoup mieux mmh. qu'Android Wear. Mais on n'atteint mmh. pas clairement ouais. plusieurs Alors, mois. Alors, autres atouts, elle a un écran cristal de saphir. quand même, C'est pas négligeable. Elle a un mouvement suisse à l'intérieur. Mmh. Donc c'est quand même une montre assez haut de gamme, elle coûte 349 euros dans cette version actuelle et Nevo, c'est une petite société française, il faut le noter, Cocorico, Nevo va sortir une version euh, avec écran euh, à recharge solaire euh, en septembre, donc c'est la même oh, montre, donc le oh, cadran chouette, transparent ah, oui. va capter les rayons euh, mmh. voilà, solaires et euh, va pouvoir se recharger, en tout cas pas se recharger entièrement mais prolonger un peu la durée des, est génial, des deux piles qui à l'intérieur. C'est une super, super idée et ce seront les seuls à le faire. Voilà. Merci beaucoup le test Christopher. On le demain sur 01.com. Et eh bien voilà, et en avant-première, vous avez pu découvrir les premiers avis de Christopher. On va retrouver Stéphanie tout de suite avec un autre, euh, un autre appareil qu'elle est en train de tester. C'est un Samsung, c'est un smartphone Samsung. Euh, c'est le A7. Alors voilà, c'est le dernier né de la gamme design de Samsung, qui est la gamme Galaxy A. On avait, on avait testé donc le Galaxy A3, le Galaxy A5, et là, on a le modèle le plus grand, celui mmh. qui était équipé d'un écran 5,5 pouces. Donc, on est vraiment sur de la tablette. Mais euh, bah, ce qui, ce qui nous a plu sur mmh. cet appareil, on livrera également le test très très vite, c'est que euh, il est très très bien équipé. Et surtout, il a un superbe design parce que pour de la Fablette, on est sur un smartphone qui fait un petit peu plus de 6 mm d'épaisseur et qui pèse 140 grammes. Et là, vraiment, on n'a plus vraiment l'impression d'avoir en main une tablette. Et on a la puissance d'un Galaxy S5, c'est ça alors, à peu près euh, on pas, alors, on n'a pas la puissance des plus hauts de gamme, les der, des derniers hauts de gamme, S6, etc. Mais en termes de performance, alors peut-être pas juste la puissance du processeur, mais en termes de performance, on a quelque chose qui approche en effet un Galaxy S5 et d'une manière générale un modèle haut de gamme, mais juste de l'an passé. Mmh. Donc c'est plutôt pas mal. Alors. L'autre euh, quand même gros, gros point important sur cet appareil, c'est qu'il est bon en photo et en vidéo. D'accord, donc c'est tout le savoir-faire au Samsung. Un, ça, C'est un vrai plus. On a un capteur euh, 13 mégapixels à l'arrière, mmh. 5 mégapixels en façade. Et euh, sur le capteur arrière, les photos sont Super. vraiment euh, bien détaillées. Mmh. Et euh, il s'en sort vraiment pas mal en basse lumière, bien qu'il n'y ait pas de stabilisateur euh, optique. D'accord. Donc vraiment euh, bien. En revanche, bon, ce n'est pas, pas un, un smartphone d'entrée de gamme, hein. le prix. Ah non, le... non, 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 on est bien d'accord. Il a été lancé par Samsung il y a hum, à mmh. peine deux mois à 499 euros. Et ça, ça va faire véritable, euh, véritablement hésiter, je pense, les consommateurs. Mmh. Sauf que, comme d'habitude, c'est Samsung. Donc, euh, le, le prix baisse assez assez rapidement, hein, puisqu'ils ont toujours de nouveaux mmh. modèles. Et donc là, actuellement, je l'ai trouvé à 429 euros. Euro, euh, chez un, un marchand en ligne. Oui. Et il y a en plus, pour ceux qui veulent se dépêcher, jusqu'au 30 juin, il sera peut-être prolongé, euh, une offre de remboursement de Samsung de 50 euros. D'accord, donc ça fait encore baisser le prix. Ça, donc là, après, ça euh, commence voilà. à devenir intéressant. Mais comparé à un Alcatel à oui. 199 euros qui a un équipement mmh. assez proche, il ouais, n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, très bien. Merci beaucoup Stéphanie. François. Oui, juste avant, je passe à François. Et oui, oui <laughs> c'est François. François. Il y a deux François le, ce le, soir. Du côté, côté droit, il y a deux François. Permets-moi de dire un petit mot à propos de ce concours. Donc on vous offre des places pour le Japan Expo. À condition que vous nous envoyez des tweets avec les deux hashtags 01Live et hashtag JapanExpo. Alors, on a déjà 7 gagnants. Il reste donc quelques places à vous offrir. Mais attention, parce qu'il y a parfois des erreurs dans les hashtags. Oui, c'est pour ça qu'on est en train de lister voilà. euh, de filtrer en temps réel. Donc, donc allez Hashtag 01Live, espace, hashtag JapanExpo. Expo. Voilà, hein? Avec un X Allez dépêchez-vous, il reste quelques minutes François Bedin est là, salut François Bonjour Et François, est venu François. avec une petite enceinte pour terminer ce zéro en live hebdo Qui a une forme très alors, rigolote moi, quand même moi j'ai vraiment la super petite enceinte pour les vacances Ça s'appelle l'UE c'est fait par Ultimate Ears Ça coûte 130 euros Et alors déjà le design est vraiment... Ouais. C'est plutôt original Elle est ouais. recouverte de tissu, on a l'impression Voilà, d'une espèce de... Subst... de de matériaux, je ne sais pas trop ce que c'est, mais par contre ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle est vraiment faite pour les gens qui vont aller à la mer ou à la montagne, parce qu'elle résiste au choc, elle résiste aux petites chutes, et elle est étanche jusqu'à un mètre de profondeur, donc elle peut tomber dans, dans la petite rivière, il n'y a aucun problème. Bon, en plus on voit bien les plus et les moins hein. sur l'enceinte, là franchement, si on ne les voit pas, c'est qu'il faut vraiment aller chez l'Optanmour. Hein. <laughs> Ah, bah attends, j'avais voilà. cru que c'était autre chose, moi. Je croyais que c'était un. Vois quoi, signe... une... Oui, oui, oui. oui. C'est pour je crois que c'est une... en fait. Oui, voilà, c'est ça. ça. D'accord. Tout va bien, Jérôme. Un, ah, autre ouais. truc, un autre truc très ingénieux que tu vas montrer, François, oui. c'est <laughs> le cordon qui est derrière, qu'on peut détacher, qui oui. est élastique, assez solide. Et donc, ça permet de mettre l'enceinte au sac à dos, de la mettre même sur un vélo. Ah, oui, d'accord. Pour pouvoir l'emporter. Ok. Et alors, le son Parce que U Boom en général, ça dépote, hein alors, bah, je, vais, je, vais, je vais faire une démonstration. J'ai déjà d'abord parlé un petit peu de l'autonomie. Ouais. Donc, il l'annonçait avec 9 heures d'autonomie, mais c'est en général en mettant le volume à fond. Nous, on l'a testé avec un volume suffisant pour une petite pièce et on a, elle a tenu 22 heures. Pas Ce mal. Qui est vraiment excellent pour une petite enceinte comme ça. D'accord. Okay. Voilà. Alors maintenant on va parler du son. Ah bah oui Alors le son, alors déjà les amateurs de stéréo en seront pour leurs frais parce que c'est un son mono. Ah bah oui là. Et pourtant il y a trois petits haut-parleurs dedans. Ouais. Et c'est un son qui est vraiment fait pour euh, des musiques telles que l'électro ou le RB. Donc ça va être super pour écouter du Rihanna ou du Daft Punk. Là j'ai du Daft Punk en démonstration. Oui. Euh, mais par contre pour écouter rock, pop et alors surtout du classique, là euh, on va oublier ou alors il faudra passer par l'égaliseur pour compenser euh, les manques de fréquence parce qu'elle est très très euh, orientée sur les, euh, les médiums. D'accord, très bien. Alors je la mets ah en bon. route. Allez on y va. J'ai monté le son pour voir si ça va marcher. Là en ah, as entend. Assez bien parce que je voulais montrer en fait qu'on pouvait la mettre en route par une petite application. Parle bien donc, dans le micro François. On peut la mettre en route à distance. Ouh là, c'est vrai. Voilà. c'est vraiment ça, le truc le de David Copperfield. Voilà, quoi, là, une petite application vraiment... qui est disponible sur euh, Android et, et iOS. D'accord. Donc, on peut la mettre en route à distance et apprendre on a le son. Voilà. Si tu nous mets un peu le Alors, son, le ça le va son, être cool. C'est parti. C'est génial. C'est pas mal. Hein c'est formidable on aurait pu faire le truc un peu plus gros on aurait pu la mettre autour du cou ça aurait été très sympa hein mais on va te rajouter quelque chose t'inquiète <laughs> voilà <rire> très bien Liu boum donc pour terminer ce 01 live hebdo merci beaucoup François Bedard le test complet retrouvé sur 01 net et une belle, plus, voilà. une belle vidéo de démonstration en plus une belle vidéo de démonstration c'est cool bon voilà Jérôme on a nos gagnants on a nos gagnants très ouais. bien bah, vous allez, euh, on va vous contacter via Twitter ou par mail pour, voilà. euh, Moi, je peux donner leur envoyez, nom vite fait alors on Thomas Lenoir Julien, Theo Gamer, Jeff Forever oui, Sir Sticky, Laurent Torres. Les amis, faites des pseudos un peu plus faciles à prononcer là, j'ai un ginge trop affreux. C'est pas mal ça aussi. Ouais. Benoît Giraudon, Pierre 3338 et Jérôme CPHH. Ah, Jérôme CPHH, je le connais. C'est toi, non C'est ça Non moi ben oui, c'est pas CPHH. <laughs> Très bien. Bon, allez. Que tu voulais aller à la Japan Expo. <laughs> voilà, c'est ça. Jérôme voilà. qui joue lui-même, en fait, pour gagner de places. C'est pas beau. Non, mais franchement, c'est pas beau. Euh, ce 0 à la vie de terminer, les amis, merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Voilà, passez une très bonne soirée. Merci à Bérangère Le Pesqueur, Florian Beaufreton et, je ne le vois pas, mais il est derrière. Oui, c'est Jérôme qui est là aussi. C'est Jérôme qui est là-bas qui s'occupait du son. Voilà. Et on ah. se retrouve bien sûr jeudi prochain. Tiens, et on sera pas en jeudi prochain. Notez sur vos tablettes. On sera à l'extérieur, nous serons à Lyon à l'occasion du salon InnoRobot pour un 1 live hebdo spécial consacré, devinez à quoi Aux oh, robot, ça va être super passionnant, on aura plein d'invités, on va découvrir plein de robots. Voilà, ça sera jeudi soir donc en ouais. direct. Euh, donc Not si vous fait. êtes du côté Lyon, si vous voulez nous rendre visite, il n'y a pas de souci. Ah, bien, non, pas dire visite. ça parce que je crois que c'est pas ouvert au grand public jeudi. Attention. <laughs> Bah ouais, et euh, voilà. À ce moment-là, ça ouvre que bah, le lendemain, bah, vendredi. Tant allez, pis, on ouvre un coucou <laughs> derrière la fenêtre, derrière la vitre, comme ça, derrière <laughs> la grille, une fois comme ça. Bon, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et à très vite. Salut à tous.